Allez, m'arrive, allez, ma voir. Elle est ma chante comme nous. Elle est ma rire, elle est ma voix. Elle est ma chante comme nous. Elle est ma rire, elle est ma voix. Elle est ma chante comme nous. Oui, comme nous. Oui, comme nous. Ouh là là, ben viens. Coupe le souffle, ça. Je suis pas chez moi, là je suis dans un raid aventure, on va dire. Vous imaginez donc ce champ de bataille à droite des tribunes, 60 000 personnes, au fond 40 000 personnes debout. À gauche, les Français qui vont remonter, qui vont attaquer les Anglais, qui seront protégés par une ferme que nous allons reconstituer. Qui descendent face aux Français, mais évidemment les Anglais qui vont attaquer à cheval. On aura 300 cavaliers qui vont attaquer les troupes françaises, donc ce sera quelque chose d'énorme. Nous aurons forcément des services de sécurité, des ambulances, on aura des fumigènes, des canons. Ce sera 3500 kilos de poudre noire qui vont être utilisés pour cette reconstitution historique. C'est indéniable, Napoléon. C'est le rôle le plus important. Et donc, on a deux reconstitueurs qui peuvent jouer ce rôle-là. C'est Marc Schneider et Franck Sanson. Pour elles, ce sont le rôle de leur vie. On verra, je vais dire, quelle est la personne qui remporte les suffrages. Vive Aussi, je vous demande d'être fort et vigilant, de continuer la lutte en braves et courageux soldats. Nous aurons bientôt en victoire complète et enfin à cette guerre. Vive la France et vive la Grande Armée! An experience in which it echoes in my mind as I was thrust into the role of Napoleon upon my gray horse, soldiers presenting arms, all crying out, Vive l'Empereur! Long live the Emperor! And I was the Emperor going down that hill. The crowd of spectators was all around me. It was a surreal moment. For a few seconds, I was Napoleon. There's an expression that man has the cat so that he knows what it's like to touch the tiger. What people in reenactment are trying to do is to touch the tiger. History you can't touch. History is not there. It's gone. It's ephemeral. It's not there. But is it possible to find it? My old school, I hated history. It was boring. Kings and generals and dates and places and forcing questions on me that I didn't know the answers. I didn't really want to know the answers because they weren't my questions. Reenactment helps you to start to ask your own question. How did they go to the toilet in the past? How did Queen Victoria go to the toilet? How did Cleopatra go to the toilet? And what was the changes in between the two? When did it happen and why? And that's just one question. But you can ask that question about every aspect of life. And then you're studying history.
Hopefully it's not just toilets. If that's it, that's it. We are not tourists, but we are traveling in time. That's a question that we get all the time. You use live ammunition? I said, yes, that's why there are only 40 of us here. Yesterday there were 45, but... Laissez-les passer. Les Français sont dans la Lorraine. Lolola. Laissez-les passer. Ils ont eu du mal à se... Bam, bam, bam. Les pierres dragons... On va vous voir sur le... dans votre documentaire ou pas? Parce que moi, j'aurais aussi une question. Pourquoi vous êtes intéressé par faire ce type de documentaire sur la reconstitution? Ah ouais. C'est la passion de... C'est la passion de l'histoire. Eux aussi? Voilà. Ouais. Ça a débuté comme ça. De? Passion de l'histoire. D'accord. Super. Si t'avais un obstacle comme ça et que le premier homme il mettait 10 secondes à passer, le sapeur nettoyait et ça roulait. Napoléon a gagné beaucoup de ses batailles avec les jambes de ses soldats. Ce qui m'attire dans la reconstitution historique, c'est de comprendre pourquoi ces mecs-là ont pu en baver comme ils en ont bavé et suivre l'empereur jusqu'à la mort, quoi. Parce qu'il les emmenait à la mort, pour certains, pour beaucoup d'entre eux. L'impératrice veut pas que je fasse de politique. Parce que, ça m'aurait bien plu de récupérer le trône, moi. Bon. Il y a une chose très importante à savoir, c'est que le bien du peuple n'est pas dans le cri de la masse. Il est dans le cœur du prince. Et je ne pense pas que la loi du plus grand nombre soit la meilleure. Une fois plus, demain, j'irai voter pour l'empereur. Même s'il n'est pas candidat, je voterai pour lui quand même. Et puis le temps passera, et puis quand j'arriverai au paradis, eh bien, si l'empereur n'est pas là, c'est que ça ne sera pas le paradis. Le panneau de frontière, avec l'agent du service secret qui nous attend, mais c'est normal. Voilà. L'impératrice qui est avec le char. Vous êtes presque sur le territoire de l'Empire de la Basse-Chênaie. La frontière de la France est juste là. On a ici le boulevard de l'annexion, ici, ce qui est la limite nord de l'Empire. Donc vous avez le palais de justice qui est là-bas. Donc là, par exemple, ils sont en train de délibérer, manifestement. Alors ils sont globalement pas très aimables. Hein. Allez. Le boulevard Machado. Et la place Napoléon Ier. Et ici, c'est la place de l'indépendance. Et là, la place de grève, où il y a le lieu des exécutions capitales. Il en faut. C'est un Sanson qui a décapité Danton, Robespierre, malheureusement Louis XVI. Mais bon, le métier était complètement bouché, alors j'ai fait autre chose. Who is Frank Sampson? He is another gentleman who portrays Napoleon, has done so at many events. I had the honor and pleasure of meeting him, I believe, for the first time in 2008 at, oddly enough, at the battlefield at Waterloo, where I was portraying Napoleon. Frank was portraying a French heavy cavalry general, but he also has a historical organization which makes uniforms, some brilliant uniforms, fantastic ones. I have never had the pleasure or honor of going to his home or his kingdom, the Kingdom of Frank, if I'm not mistaken, that's what it's called. We're both basically doing the same thing, and that is portraying the great man Napoleon at these various events and doing our best to portray them in the best light. Traditionally, if a man says he is Napoleon, he's crazy. Of course I did disguise myself, but it was as a merchant. Can you imagine mistaking me for an Englishman? You would overcome. You would triumph in the end, just as I did. Yet again they say
me. I'm sorry, Monsieur le Marquis. God bless you all, my dear friends, and God bless this great nation of the United States of America! Mark, his job is to represent people from history. Like an actor, he makes history more interesting. You can get stories from the soldiers of Mark walking in a room, walking through the bivouac. And the men know. It's not the uniform, it's not the costume, it's the man. He has a charisma, he has a personality. In front of the public, it is almost impossible to get a photograph of him with his face in a funny position. Me, the number of photographs I get of me when I'm... him, never. Complete control. It's his job. Well, everything would change in 2005, because I would receive a phone call from a man in Belgium who was part of the Waterloo Committee. Hello, Monsieur Schneider. I would like you to come to Belgium to portray Napoleon on the battlefield. Well, I immediately hung up on him, because I thought it was one of my friends playing a joke on me. A few short days later, they officially invite me to come to Waterloo to be Napoleon on this actual battlefield. I walk down the stairs, and there's hundreds of reenactors gathering there. The cavalry are all mounted. My horse is fully prepared for me, and I mount up, and I begin this magnificent journey of becoming Napoleon in Europe itself. It was a success, really, because it was really appreciated by the reenactors. He was really appreciated by the press, by the public. His career is on the road in 2005. Immediately, he has a lot of people around him who encourage him to do more events. And as I did more and more events, my popularity grew more and more because of this new way in which we were interpreting history, really becoming Napoleon for the weekend. When you can make grown men cry, you're doing something good. But Mark never forgets he's Mark Schneider. He's not being the emperor for him, he's being the emperor for other people. He's painting a picture. Voilà. Ça là. En fait, tout a commencé par l'amour de la chose militaire. L'apogée de l'uniforme français, c'est le Premier Empire. Donc en fait, au départ, moi, ce qui me plaisait, c'était de faire des mannequins, de monter des uniformes sur les mannequins. C'est ça, comme un figuriniste, en fait. Mais moi, c'était à l'échelle 1. Il y a toute une science de l'uniforme, parce qu'un uniforme se lit. Un uniforme et donne des indications par lui-même. Et je suis réputé pour être particulièrement pointilleux sur l'exactitude des uniformes, des couleurs, les rubans. Ça, c'est le parfum que portait l'empereur dans sa vie de tous les jours. Et donc, dans les reconstitutions, je suis à ce point pointilleux que, quand je m'habille, je mets ce parfum-là, qui est celui de l'empereur, qui est le farina. Qu'il portait à l'époque. Je n'aime pas beaucoup notre période. Moi, je préfère celle du Premier Empire. On dit la machine à remonter le temps n'existe pas, c'est absolument faux. C'est très facile de remonter le temps. Il y a un petit bout de militaire dans les reconstitués. Nécessairement, c'est un monde militaire. Hein. En cherchant pour refaire un objet ou un uniforme, on découvre des éléments historiques. Alors, c'est des petits détails de l'histoire, mais finalement, tous ces ensembles, tous ces morceaux, eh bien, ça fait l'histoire. Je suis né trop tard. Empire costume. Moi, j'aime placer à la limite. On ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon. C'est pour ça que je dis que quand je suis en uniforme, je dis souvent, mais moi, je suis vrai. Il y a quand même eu de sacré mouvement de terrain quand on regarde bien. Ouais. Ah, ben dis donc. Hé!
Hey, vous voulez faire le plein de flotte? Yep. Ça goûte vin. Tastes like wine. Quel breuvage! On est à peu près ici à 1000 mètres. Il n'y a pas de difficulté majeure. Il y a juste qu'à marcher. Juste qu'à marcher. Quelqu'un a violé! La personne a violé! Le chèvre! Ça pourrait nous donner du lard! Ah, tu connais pas encore ton sergent, toi? Ils vous ont pas fait payer? Ah, rien du tout, il a payé 54 euros pour le coup. Bon, je te jure. Qu'est-ce qui tombe? Et nous, on est à l'abri. Et eux, à l'époque, il y a 200 ans, ben, ils étaient dehors et ils n'avaient pas de kawaii, ils n'avaient pas de fringues pour se changer, ils n'avaient pas d'abri. Et le soir, il fallait qu'ils se débrouillent. Les mecs, ils étaient trempés jusqu'aux os, quoi. Je suis dans le rôle d'un sapeur. On m'a dit, toi, tu es Mariol. Mariol, c'était le premier sapeur de France. C'était le sapeur par excellence, le modèle. Mais moi, je suis pas Mariol, moi. J'y arrive pas à la cheville. J'aimerais bien, d'ailleurs, le rencontrer et qu'il me dise ce qu'il en pense, parce que je suis pas sûr que ça lui fasse vraiment plaisir. Non. Tu vois ce que je veux dire? Bah, on parle quasiment jamais des hommes qui ont fait la Grande Armée. Il est cool, lui, putain. Brutive. Je suis où, là? C'est Napoléon, c'est quelques maréchaux. Le soldat lui-même, il n'est jamais vraiment mis à l'honneur. Et moi, en faisant de la reconstitution, bah, je me dis que peut-être que je lui rends un hommage en essayant d'être le plus cohérent et puis sans faire trop l'imbécile. Almost immediately after I came home, I was already being invited to other events in Germany, in Russia, all over the place for me to portray Napoleon. A lot of people were making him like a god, you know? Each event appeared to be better than the next. I had a staff now to work with me. I gathered more and more friends. The changes were so quick. In 2006, he was not the same man. In 2007, it was another man. His suggestions was completely crazy. He has a corps. He has his own état-major all the time in front of him. My friend coined it being a rock star. Vive la France! Et vive la Grande Armée! Popularity grew to such an extent that I was having difficulties getting out of a car because people wanted to get a picture with me or they wanted my autograph. It almost seemed surreal. It almost seemed ridiculous, but I was just pleased with the popularity. Le bicentenaire de Waterloo sera le plus grand événement de reconstitution historique d'empire jamais connu. Alors évidemment que le choix de Napoléon, au même titre d'ailleurs que Wellington ou Blücher, sont des rôles très très importants. Vous avez bien entendu la ressemblance physique qui va être la chose primordiale, on va dire. Ensuite, vous avez bien entendu la qualité de l'uniforme, parce que l'uniformologie, c'est quelque chose qui est très important pour nous à Waterloo. En troisième lieu, vous avez bien entendu la reconnaissance parmi les reconstitueurs. On se voit très régulièrement. C'est certain que Napoléon déchaîne les passions.
On a évidemment une préférence pour les deux principaux. Donc vous avez d'un côté Mark Schneider, qui est un Napoléon qui vit aux États-Unis. Et puis vous avez d'un autre côté Franck Sanson, qui est un Napoléon français. Nous allons sans doute, pour début 2015, annoncer notre décision. You can take the most ignorant person in the world and say, name me three battles. And Waterloo's going to be one of them. Take a silhouette of a man wearing a coat and a bicorn and take it to someone and say, who's that? They don't say Nelson, do they? It's Napoleon. I'm just amazed that Belgium doesn't understand that this is the 200th anniversary of something which is culturally vital for almost all of the world. But the attitude from Belgium is to see it as being something small for Belgians. Who is Napoleon? Well, I think they don't care. So they'll do whatever is easy. And the immediate reaction is, take a Frenchman. Portraying Napoleon at the 200th anniversary of the Battle of Waterloo would be a role of a lifetime. My mother often says that she does not know a moment in my life where I was not fascinated with Napoleon and his times. When I was 2 or 3 years old, I had a French cousin come visit the United States, and she brought with her some toy soldiers, and one was Napoleon. And I became fascinated from that moment. Many times kids would make fun of my large nose, and I recall even my mother saying, they're just jealous because the only people who have big noses are the kings of France or the emperors of France. Alors, bon, il a toujours un profil magnifique, hein. Bon, c'est un peu dommage les dents, mais bon, ça, c'est pas trop gênant. Bon, l'uniforme de marque est beau, il est bien coupé. Par contre, les médailles sont pas bonnes. C'est-à-dire que le ruban de la couronne de fer n'est pas de la bonne couleur. Il lui manque les deux bouffettes, quand même. Hein. Sa Légion d'honneur est un type... c'est un type 1 avant 1806. Donc ça n'est pas une erreur. Mais l'empereur portait plutôt du type 2 ou du type 3. I know Frank is not being malicious about it. Certainly we're both vying for the same role. What I have discovered that has been said in some press is that because I'm American, I should not be portraying a Napoleon. Yes, I am an American citizen, but my mother is French. J'ai deux patries, la France et les États-Unis d'Amérique. I have two countries, France and the United States of America, and I love them both deeply. Napoléon doit être incarné par un Français. Il n'y a pas de discussion à ce sujet. Demandez aux Anglais de faire incarner Wellington par un Suisse. Vous allez voir la tête de l'Anglais. I believe I was quoted as having an Anglo-Saxon accent, which I found very interesting. But again, as stated, Napoleon spoke French with an accent. Ou Napoléon était un grand homme. C'est pas possible. C'est juste pas possible. People get behind politicians, just how people get behind Napoleon. Reenactment is like a miniature microcosm of society as a whole. If you get a bunch of people together, they will have different opinions, and then they will start forming groups, and then they will fight. That's how wars start. At Waterloo, I know who I'll follow, which will be Mark. My best case scenario would be Frank is Napoleon, and Mark's there as backup. Whatever it is he's got, if you could sell it and bottle it, you'd be a fucking millionaire. Il y a eu des mots encourageants là pour la troupe tout à l'heure. Et non, il fait un bon empereur. Ouais, c'est... Moi, j'aimais bien Franck Sanson. Good luck, Frank. When you are interested into history, you reach a point where you absolutely want to
live that life as they lived, just to feel something else than simply reading a book or getting stories told by others or that's it. You want to have your own feeling about what it was. I think that's what we're looking for. You told me something interesting. Yeah, I had an experience at the Battle of Leipzig, not this. I've done it, the reenactment, a couple of times now, and the first time I went was in 1996, and somebody handed me a gun that was actually on the battlefield at the time, and I had these fantastic flashes in my mind. I don't know if it was my imagination that was going a bit crazy, but well, I could just see soldiers everywhere firing. Christmas Eve, 2008, I was involved in an accident. I'd been drinking, and I hurt someone. I hurt someone very bad. My life and other people's lives changed forever that evening. In the weeks, the months to come, I would be in and out of the courtrooms, finding out what was going to happen next with my life. Of course, first and foremost in my life is my son. What was to become of him if I was to go to prison, not knowing if I was going to be able to be there for him. That really killed me. I was given the sentence of 5 years in weekend increments, so 2 days a week I would go to jail. Ils ont besoin, si on veut parler de Waterloo 2015, d'une grande fiabilité. Si vous voulez, il faut que la personne elle soit là, quoi. Hein. Et s'il y a le moindre risque par rapport à ça, ça peut être un critère. The show must go on. I saw the new Napoleons that came on the scene, specifically that of Frank Sampson. They needed a new Napoleon, so whomever was able to fill that gap, the show was theirs. Vous croyez pas que Marc peut faire un comeback, par exemple? Non, c'est... Non, non, c'est impossible. Regardez la figure légendaire. Avec la redingote grise et le chapeau noir, on l'applaudit, c'est l'empereur! Bon empereur, bien arrivé à Gonfouchement. Bertrand, à terre de France, je suis heureux d'être de retour. Soldats, dans mon exil, j'ai entendu votre voix. Votre général appelé au trône par le choix du peuple vous est rendu. Venez vous ranger sous les drapeaux de votre chef. Son existence ne se compose que de la vôtre. La victoire marchera au pas de charge. L'aigle volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Alors vous pourrez montrer avec honneur vos cicatrices. Vous serez les libérateurs de la patrie. J'ai créé la Légion d'honneur pour féliciter les plus braves d'entre vous. Aussi sapeurs, à partir de maintenant vous êtes immortels. Je suis content de vous. Vous porterez fièrement ce ruban. Voilà un moment qu'on se croise, hein. Cela n'est pas possible, m'écrivez-vous, cela n'est pas français. You write to me that it's impossible? I say the word is not French.
In 2014, I petitioned to travel again, and it was granted. All the while knowing that I needed to be back in time to serve my time on the weekend. One reenactor cried out to me, he said, "The Emperor has returned." It even gives me goosebumps to hear it now. Very happy to see you in the Maison. It's good to be back. It's good to be back. Yes? Faites attention, messieurs. Donc voilà, mais malheureusement, tu vois, il est trop tard. Sur les boutons, les fleurs sont fanées. Quel est le nom de cette fleur? Ça fait 2 ans que tu n'étais pas venu chez nous? Oui. 2 longues années. Oui. La guerre. C'est la guerre. Je sais. Regardez la scène. Prendre la D20 qui est comme ouais, ça. C'est là. Ça, ouais, ouais. Et là, il y a la D120. Vous avez le chemin qui descend et qui arrive en bas, dans les, carrément dans les robinets. On arrive, voilà. On arrive là-haut, si on fait ça, mais nous, on va directement sur l'entrage. Hein. Probablement. Ou le mulet, il s'est détourné avec les pièces d'or. Et toi, t'as trouvé les pièces d'or. Oh putain, j'ai cherché, mec. C'est par là. Rassemblement, les gars, on y va. Paris, c'est par là. Rome, je ne sais pas. À Paris. These friends, these reenactors, these soldiers remained so loyal to me despite the trials and tribulations of life, and still, despite everything else, wanted to have me back and play the role of the Emperor once again. Un petit ami, peut-être? Et tu sais que j'ai pris soin de lui. Parce que j'étais c'est dans vrai, la serre. J'étais dans la serre. Mm. Tu me laisses. Merci. I hope that everybody is enjoying what they're seeing, that people can learn from the life of Napoleon and Josephine at their home at Malmaison. So I would hope that the Waterloo Committee is learning from this and will make their event even better. If they decide to choose me as Napoleon, again, it would be a great, great honor to do so, but we'll have to wait and see. Many ways, like Napoleon's return from Elba, his first island of exile, because I haven't been to an event in 2 years, I'm so very welcome here, right in the center of France, right in Paris. It's magnificent. Je pense que chacun a sa personnalité de concept du reconstituteur, mais la même passion est toujours là. C'est toujours la passion pour l'empereur. Moi, ce que je suis pas un fanatique de Napoléon, de tout ce qu'il a fait, quoi. J'aime bien vivre
plutôt le côté la vie du soldat, la vie de, et la vie du civil de l'époque. Toi, ah, c'est comme ça qu'on arrive à se remplir l'esprit, ouais, ouais. S'imprégner même un petit peu. C'est quand même formidable. Hein. Ressentir la fatigue, la sensation, l'impression qui est, que ça donnait. Hein. Au moins une fois dans ma vie, faire la route. On va mourir parce que. Mourir, non, pas mourir, d'accord. Quand même pas. On meurt le 18 juin. On meurt, on meurt à Waterloo. Tous ensemble. On gagne à Waterloo. Mais normalement, on gagne à Waterloo. On gagne à Waterloo. Ah, cette année, on gagne. On gagne, ça fait 200 ans qu'on perd, cette année, on gagne. On va gagner. C'est vraiment la pourriture, les Anglais. Hein. Enfin, une bonne parole dans ta bouche. Enfin. Oui. Bon. Là, il va falloir. Je pense que. Alors on va se continuer à se faire plaisir. Bah oui. Qu'est-ce que t'en dis ? Tout à fait d'accord. Allez, on y va. J'ai fait un petit peu de ma généalogie et j'ai retrouvé un ancêtre qui avait été décoré de la Légion d'honneur en 1804. Et je me dis, putain, toi, j'apprécie de revivre un peu peut-être ce qu'il a vécu. Ça permet. Et à Golfe-Jean, quand l'empereur m'a remis. Qu'est-ce qu'il a vécu pour. On est parti ? 5 chevaux. Au vapeur. Ouais. À mon commandement, colonne par feu. En avant, voilà. Samson, if you look at what he says, I'll be Napoleon till 1815, and then I'll go and do something else. So it's, what is it, a temporary hobby? Something, you know, a little diversion? I'm gonna do kung fu this week, and then I'll be emperor the next week. And the week after that, I'm going to buy myself a bicycle. He's not a reenactor. He's not a soldier. He's not a historian. He's carnival. Des reporters de guerre parce que eux au moins se sont un peu enfoncés dans le terrain alors que là on a des reporters de salon là. Les mecs ils nous attendent à la buvette. Je peux te dire que cette image elle déchire.
Bonjour. Bonjour. Tu veux boire un coup ? Non, ça va, je continue. De l'eau, de l'eau. Il y a de l'eau là ? Oui, j'ai de l'eau dedans, j'ai apporté des bouteilles. Il y a de l'eau, ouais. Et Napoléon est derrière ? On l'a pas vu. Mais vous avez pas vu les cavaliers ? Oui, si. Mais lui, il est descendu de cheval, ça n'allait pas trop. Non. Vous avez pas vu qu'il y avait un cheval sans cavalier ? Non, vous étiez tous montés. Si, si. Ouais, mais... Oui, mais... Oui, il y a cheval et vous, vous êtes à pied. Ouais, mais j'ai peut-être l'habitude de marcher. Super entraîné. Bon, on ira voir. Enfin, l'entraînement, il est vite parti avec ses godasses. Hein. Ah oui. C'est livré, ça. Ah. I know that yesterday the cold got to him. So he may have just felt that today was long enough. You have to be in shape for this kind of weather. At what time is your flight? I have to look at my paperwork. I have two tickets, but Air France is still on strike. Yeah. Okay. Right. Yeah. Because, I was aiming that you become godfather of my, for the christening of the cannon of the hate limbers. I arrived on a Friday morning and I departed on Monday, thinking that I was going to be in time, plenty of time to get to the jail to report. Due to circumstances out of my control, the plane arrived late and I was late in reporting. So thus we had to petition the courts to say this was out of our hands. But they in turn said if this ever happens again, there will be much more trouble for you. Mark's biggest punishment is his own sense of guilt, which is huge. What, 5-6 years of punishment? When does it end? On a dit qu'ils ont fait la route, mais ceux qui vivaient dans les villages, tu lis des anciens livres, ils avaient quand même des bonnes recettes. Ils mangeaient tout frais. Oui, mais je parle sur la route. Ouais, alors tu sais que... C'était beaucoup de la viande. Oui, de la viande, c'est sûr. Dans toutes les maisons, tu avais une cheminée avec un chaudron, une sorte de pot-au-feu qui était dedans, et c'était tout ce qu'ils bouffaient, quoi. Vous arrivez à vous mettre dans la peau des mecs là qui étaient là il y a 200 ans ou pas? Non, mais moi j'y pense. Ouais, j'y pense, mais j'arrive pas trop à me transcender. On y pense. Tu vois, je fais 1m90, 100 kilos, mais je pense que je suis petit à côté de ce qu'ils étaient, quoi. Parce que dans leur puissance, ils devaient être petits, mais ils devaient être rustiques, tu vois. Quelque chose de rustique. En tout cas, c'est bien de le faire. Je suis content qu'on soit là. Ouais. Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! You should not drive your troop to this point. He was in hypothermia. You know, we really pulled him down from the horse and stopped him from falling into a heap. I would rather he would stop at noon and say, I'm having a nice lunch, and then he can look imperial and motivate us, rather than us saying, oh my goodness, you know, he's human after all. He's not Superman. And we have to believe that the Emperor is Superman. If the Emperor is lost, what the fuck are we doing there? Sanglia, Emperor? No. Maybe with the guard. Maybe with the chasseurs. I don't know why he's absent. No, it's disappointing that he wasn't at the parade this morning. I agree. I concur. Yeah. He's obviously planning his next campaign. Yeah.
My biggest fear is that it will be cancelled. Because the problems are so great, they're not going to be able to handle it. À droite, conversion! Marche! On continue! C'est serré, je suis parti en couille là! C'est ton rôle? Alors? You've got to keep elbow contact with the man next to you. Alors, faut toujours bring the respect. Butt of your gun in, Tom. Il faut toujours rester au contact de l'homme qui est à côté de vous. D'accord? Ah. Ouais. Peloton, deux pas en avant. Marche! Peloton, front! Tirez! Vive l'empereur. C'est du journalisme de bistrot. Hein. Ici, c'est moche à crever. Il n'y a pas plus moche. Moi, je ferais ça dans un HLM. 500 mètres. Hein? Vous pouvez pas marcher un peu? Non, you have no legs? Hey, franchement. To walk just on the mountain? Tu sais, je ne peux même pas filmer. C'est trop. Je vais te montrer des images, tu vas pleurer une larme. Tu vois? We can show you what we went and what we make as picture. No, here, déjà, tu filmes dans l'ombre, t'as pas la bonne lumière. So it's shit that you do. Yeah, it's shit. Stop it. 200 years after, it's very important. You must understand this. Yeah. It's difficult the reenacted. It's for to sentir fear. Yeah. How is history is when you read a book in your living room with a whiskey, you fear nothing. Here, you feel the, it's cold, you feel the wind, it's very important. You know what I say? I understand, yeah. Okay. Pourquoi tu vas aimer une fille? Nous, c'est la même chose, sauf que c'est pas une fille, c'est l'histoire. Et ce qu'on aime, c'est transmettre, c'est donner. Le nombre de personnes qui nous ont klaxonné sur la route, qui nous ont encouragés, tu vois? Moi, j'ai de l'émotion, là. If I know you do a movie where clown, or you understand that, I take the plane and I go to United States, thank you. And you are
Nous, on a fait des étapes. On commence à dire. But he didn't have good shoes. To me, he has shoes which are I was up at very six. Much like the ones they have driving, in the army. Driving. Oh. The sad life of a grignard. Have forced to drink at night and march in the day. You know, Max Schneider left this morning, so he had to go. Yeah, without a boat, yeah. Yeah, and so... You couldn't get a flight, could you? You had to get here. Yeah, he had to, have to leave today. And so the big question is, you know, that everybody's asking is, should Mark Schneider or Frank Sampson be Napoleon for a Waterloo? Yeah. Well, I'd say Sampson got defeated by Delilah, didn't he? Problem with Sampson was his hair. That's true. Yeah. You know what I mean? Where's Schneider? What was Schneider in? He was in Blue Thunder, wasn't he? Schneider was a bad motherfucker. Schneider killed Jaws. Do you remember that? No. Schneider killed Jaws. When he got the bike. Yeah, it was Rob Schneider. You've never seen the film. So, and he piloted that like helicopter. Schneider, yeah. What do you think? I'm for Mark, anyway. Yes? But he's representing a more younger Napoleon, perhaps. Like as a charisma. And he's smart. Very smart. I don't know much about Frank Sampson. He's just another name. He does it when Mark Schneider's not here, you know. That's the way I see it. Well, a lot of people say about the positive thing of Frank Sampson is that he's French, and Mark Schneider isn't. But I don't think it's such a big issue. The whole thing about the reenactment is to bring different nations together. It doesn't matter where you come from. It's a question more of what you look like and what you sound like. Yeah. And the way you treat others, you know, and I think Mark does it very well. But I wonder what would happen if you actually put in a straw vote to all the men. So who would you follow? I would say about 75% would be for Mark. He's been invited to many more events. And big ones. Big ones. Yeah. You know, he was Napoleon in front of Putin. Yeah. Well, yeah. It's not so important, is it? It's not so important. The important is the soldiers. We could do Waterloo without the emperor, but we couldn't do Waterloo without the soldiers. Mark Schneider. Do you care? So much. Do I care? Of course I care. Me too. Chaque personne qui s'inscrit dans ce groupe soit validée d'abord par le chef de groupe. Donc on va envoyer à chaque... J'appelle quelqu'un que je ne peux pas appeler par son prénom, sinon je vais le dévoiler. One mistake can change your life forever, can ruin someone's life forever, can ruin your family's life forever. Because of this horrible mistake, I have destroyed my dream of portraying Napoleon on the battlefields of Europe. Du côté des organisateurs, ça créait un intérêt. Qui vont bien pouvoir choisir? Ce soir, c'était l'annonce officielle. Alors que bon, on a notre emploi du temps, puis l'emploi du temps, l'heure à laquelle je vais arriver là-bas, où je vais mettre ma tente, tout ça, ça fait 8 mois que c'est déjà prévu. Ça fait partie, j'allais dire, du package de communication. Mais Napoléon était un grand communicant. I have to admit that we are happy with the decision of Mark not to participate because of his image. Imagine that the press would relay that Napoleon of Waterloo
went to jail, it would be a disaster. L'ironie du sort, c'est que je suis avocat spécialisé dans ce genre de truc. Et chez nous, c'est dérisoire. Enfin, ils sont fous, ces Américains. je veux dire, c'est dérisoire ce qu'il lui a reproché. He's not sitting in a comfy chair watching television. You know, he's in a box. Four walls and nothing. Try doing that every week of your life. Horrible. You can take two different directions. You can cry over it and say this isn't fair and be miserable and make everyone around you miserable. Or you can go in the complete opposite direction and try to better yourself, better the situation, do what you can. It's no longer just you. It's what's more important. It's your family. It's my son. I have to set a good example no matter what. I have to stop other people from making the same mistake. The adversity does not bother me, just as it didn't bother Napoleon. Where there is a will, there is a way. I will not let obstacles get in my way, but I will strive to overcome them. J'ai fait du riz aux oignons, c'est un plat que les soldats faisaient plus rapide. Enfin, je sais plus. Je suis fatiguée, j'ai pas la peine de m'interviewer là-dessus. Non, ça fatiguée. Va. Je vais parler pour elle. Je suis trop fatiguée, là. La vivandière a fait du riz. La vivandière a fait du riz aux oignons. C'est une cuisine qui est très raffinée, je vais dire, pour les soldats. Parce que quand ils ont fait la campagne de 1815 à Waterloo, les soldats ont mangé de la farine avec de l'eau chaude. C'est l'amitié qui compte, hein, dans la reconstitution. Hein? Ben oui. Tous des amis. Les officiers supérieurs arrivaient dans un village. Le général prenait la plus belle maison, le colonel l'un peu moins belle, et ainsi de suite. Ah, sur le plan, historique, il a eu 3 millions. Non, plus. Non, un minimum de 3 millions. Mais non, vous trompez, vous m'énervez. C'est l'empereur qui m'a confisqué 3 millions, nom de Dieu. C'est 3 millions que je cherche. Oui, mais c'est Bertier qui a été raconté des couillonnades. L'empereur m'a confisqué 3 millions. Ah, pourquoi il les a confisqués? Il naît d'où? Il naît d'où? Ça ne vous regarde pas, ça. C'est facile. Mais ça ne vous regarde pas. Un tambour ne peut pas parler à un maréchal parce que tout de suite, ça prend la haute. Mais c'est normal. Mais attends, on n'est pas payé. Nous, on ne peut pas se payer de la dorure, nous. Bon appétit, maréchal. En attendant, dormez bien sur les caissettes. Déjeunez pas. Arpagon. Il a pas. Arpagon. We're a little bit fed up with getting beaten every year, although we should win. And this year, it's not impossible that there will be a great change. Allez, mec! Cette fois-ci, on gagne, hein? English?
aussi. Est-ce qu'on a des nouvelles des... Ça, c'est de l'absinthe, ça? Oui, oui, c'est celle qui était dans le bouchon. Oui. C'est là. Tu me donnes celle qui est dans la malle aussi, couchée, là. On va voir ce que ça fait sur Blucher. Ça allait à 72 degrés. À 72, ça va coucher. Oui, mais justement, j'ai bien envie de voir ce que ça fait sur Blucher. Il est encore capable de te tuer quand même. Ah, mais ça, c'est sûr. Voici le soldat, sire. Bonjour, soldat. Bonjour. Chef de bataillon, c'est Perko. We have an Englishman, 10 miles. Okay. Yes. Demandez à un des 10 miles de lui donner un peu d'argent pour acheter des nouvelles chaussures, parce qu'il y a ses chaussures qui ont l'air trop usées. D'accord. You have to ask Duncan Miles to provide me with some money to buy new shoes. Yes, okay, okay. Vous achèterez des chaussures. Oh, vous êtes très gentil. And one small thing, as he knows, in England, there was a lot of cover in the press about remarks that the real winner of Waterloo was Napoleon. Does he still think that, or what did he mean exactly? On voit 200 ans plus tard l'engouement napoléonien. En tout cas, il est le vainqueur sur le plan de la renommée et de la victoire historique. Avec un grand H. On se retrouve ici devant cette stèle, où des milliers de soldats français et alliés sont morts dans ce champ de bataille. Cette stèle représente la fin d'un rêve, le rêve de la liberté. Il ne faut jamais oublier l'effort des Bonaparte. Et tous ces soldats qui sont morts, pour eux, l'ont fait avec leur cœur et non pas par ordre. Parce qu'on ne fait pas bouger des centaines de milliers d'hommes à la mort, au pas ordinaire, sans avoir un courage et une foi dans son chef. Alors messieurs, pour ça, je vous demanderai simplement une minute de silence à la mémoire de notre empereur et de ses soldats. Get an Englishman sat next to an American, sat next to a German, sat next to a Russian, but we're all in the same unit. Any other walk of life, that would be very, very hard to actually come across. Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! J'ai jamais vu un alcool aussi fort. Il faut quand même reconnaître que c'est une boisson d'homme. J'ai eu Lolo aussi au téléphone, alors je lui ai dit que c'est le collègue de parquet, mais c'est pas les rien de faire, non. Et on ne peut pas les interviewer non plus. Après, je fais ça, alors je vais démonter ça. Je vais savoir. Mais c'est quoi ce bras de fer là? Mais oui, c'est du chantage, mais ils payent. Ils peuvent pas payer 200 euros. Je sais pas, non, il ne citera jamais rien. Tu fais quoi alors? Je mange et je vais aller chercher cette bagnole. Ah ouais, mais tu es libre de faire ce que tu veux. J'en fais pas. Moi, c'est comme vous voulez. Parce que le problème, c'est que mon ami Christophe, il est à pied. Donc, il ne peut pas rentrer ce soir. Et demain matin, on n'est pas prêt d'arriver. Hein. Parce que ça veut dire quoi, demain matin? Ça veut dire que demain matin, on va aller à la fourrière et machin et ta-ta-ta. Je ne peux pas faire autrement, quoi. C'est... Hey. Situation particulière. Alors, on annule le transport. Pardon, tu peux répéter? Oui, après 18 heures, effectivement. Place à l'empereur! Place à l'empereur! Empereur!
Il va falloir retourner. Oui. Ouais. Mais nous, on y retourne direct. Là. Messieurs, bonjour. Messieurs, je m'en retourne tout de suite au bivouac, je suis assez en retard. Non, mais. Non, mon cousin, on va faire le tour. Merci. À bientôt. Donc, à rien. Ah, il y a une porte. Repos. 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 Where is the Marshal Ney? Marshal Ney has been injured. Wait, say again? This afternoon. He has been injured this afternoon. Oh, really? He had an accident with the horse, and he is at the hospital. On a décidé de ne pas perdre la bataille comme on la perdait d'habitude, c'est-à-dire de tomber. On a décidé de réaliser un vrai carré. Et ce carré, il devra être forcé pour tomber. Lors de la défaite, n'est resté que deux carrés sur le champ de bataille. Et ces deux carrés... Ces deux carrés... ont permis à l'ensemble de l'armée de retraiter. Et ils sont morts. On fera peut-être pareil. T'es passionné, hein? Le feu de bois. La rencontre avec les papas. Et toi, qu'est-ce qui te plaît? L'ambiance. Ouais. C'est chouette. Ouais. Ah. Hey, on a la relève. Ah ouais. Quand même. C'est bien, hein. Il y a des jeunes qui y croient encore. Tu voudrais dans le futur, tu veux quoi? Non, pas tambour. Il va faire connaître. Ah, pas tambour. Non, n'essaye pas de le ramener. Je te vois arriver, toi. Toujours la même chanson, la même chanson. Oui, c'est la même chanson. Toujours la même chanson. Toujours la même, toujours la même fucking chanson. Avant la salve, c'est avant la scène. Yes, it's the same old song, the same old song. Boring old song! Yes, it's the same old song. Yes, it's the same old song. Yes, it's the same. Yes, it's the same. Boring old song. Okay, Francky Simon, clavicule cassée, l'oreille percée, etc. Mais bah, il est quand même monté à cheval. Non, mais il a des couilles au cul, c'est bien. Ah, c'est bien. C'est un vrai. C'est un pur sang. C'est un sale con. On est d'accord, c'est un sale con. On est tous d'accord. Il a une certaine valeur. On est tous d'accord, c'est un sale con. Mais il a une certaine valeur, comme les gars de l'époque. Voilà. It's simply is a done, but we are the French Light Infantry Demi Brigade. Neuvième, we are the French Light Infantry Demi Brigade. Neuvième, we are the French Light Infantry Demi Brigade. Today we win. Ça va. Le cœur il bat fort. Ouais, je le sens moins que tout à l'heure. Il est régulier, ça va. T'as eu un coup de stress là. Respire bien et ça va aller. Est-ce que tu pourrais te mettre tes seins nus? Pas. Voilà. De toute façon, j'irai te voir
sur ta couche. T'as perdu quelque chose. Ah oui, j'ai pas eu le temps de m'attacher. Il reste un peu de rosé. Je veux bien, s'il te plaît, merci beaucoup. Why is your present? My only answer is, I don't know. 200 years ago, nobody has a bad memory of Waterloo, right? So why make it a political issue when it should just be a fact of respecting the dead on all sides? And something that, in a way, created Europe as it is today. I don't understand. And I think it's a shame. But it's, again, people taking shortcuts and not learning about history, which is what we're saying about the kids. Teach them young, and then they'll know the real thing and not just what they've been stupidly told. I find it weird. It's people are believing the propaganda of 200 years ago. And in a modern, sophisticated world, a crudely delivered set of propaganda is still believed out of convenience. And the French nation is embarrassed. They had the only democratically elected leader in Europe. And the Battle of Waterloo removes that. Bravo. Why should France be embarrassed? You know, they should come here and go to the look at the other people, the other nations in the face and say, shame on you. Because all it did is delay everything. It didn't change anything. You know, European Parliament, European currency, European laws, we already had it. And Waterloo takes it away. We must change history. Let's go and change history. Pansexual rights! Pansexual rights! Colors! Olive oil! Marsh! Yeah, broke. And this broke. And my ear also. Sorry to hear that. Hey, it's the battle. But was it the battle? It's the battle. Ah, it's normally. Yeah. All right. Yeah. Thank you.
perdu. Vendredi. C'est ça. Donc. Ta bagnole est où, là? Au parking VIP, là. Oui, mais on est à Nivel ce soir, on descend presque rien. Oui. Et non. Demain, on recharge tout. Moi, j'ai juste besoin de ce qu'il faut. Et demain, faut on recharge tout. Et bah, je pense que dès demain matin, il faut aller. Sinon, c'est mort. En arrivant. C'est pas la signature de Napoléon, ça, hein? C'était un peu long, quoi. 4 bornes aller, 4 bornes autour à pied. C'est con, les Anglais doivent être qu'un kilomètre du truc. Ils sont déjà couchés, eux. On est à peine rentrés. Ah, je vous félicite, les gars. Merci, maréchal. Demain, vous remettez ça. Parce que j'ai l'impression qu'on était un contre 100, maréchal. Si vous étiez un contre 100, c'est pas l'impression, c'était comme ça. Et ça, je le savais déjà la veille. C'était n'importe quoi. Pourquoi? Attends, ça peut. Tu vas m'expliquer un petit peu cette histoire. Ah. J'ai un directeur, mais. Attends, je range mon bonnet.
Je crois que ça n'a pas été bien préparé d'après ce que tu veux dire. Nos gradés ont du boulot, hein. Attends, bien. Ah, je suis mort. Alors, bon, bien content, c'est fini, hein. Je suis mort. Mais on n'a rien gagné, hein. Alors comment ça s'est passé, hein? J'ai fait le bilan, on n'a rien gagné. On n'a rien gagné? On l'a pas gagné. Non, on l'a pas gagné. Demain, on a merdé à mort. Deux rangs de sapeurs, ils sont arrivés sur 4 ans. C'est fait déborder quand même, là. Vous avez vu, mais avec... Ils sont rentrés là-dedans comme des boulets. T'es blessé? Ouais, je me suis frappé un peu avec un Écossais. Frappé? Non, gentiment, mais... J'ai mis un coup de boule à un Prussien. Ah bon? Ouais, tu prends ça dans la tronche, je sais pas ce que ça peut donner quand même. Ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. J'en ai un, mais je vais le désinfecter tout à l'heure. Parce qu'il y a tout là-dedans. Ouais. Sur notre droite, on avait des Prussiens, des je sais pas trop quoi, des Écossais aussi. Des Écossais, ouais. Putain, pourquoi on les a pas pris de flanc? On les prend de flanc, on se met tout de suite de flanc, on les encercle, terminé. On nous a fait manœuvrer à côté, à proximité de la ligne. On n'avait pas la place de bouger. Non. Les autres, il a fallu qu'ils se poussent. Nous, il y en a qui sont venus nous voir en disant allez sur la S1. Voilà. On est parti, on est remonté. Ouais. On a suivi le mec quand il rentrait à la limite. Parce que les ordres étaient contradictoires. Bon, comme à l'époque, quoi. Comme à l'époque. C'est qui commande ici? Bon, c'est bon, il y en a un qui gueule par là, il y en a un autre là-bas. Bon, au moins, on a couvert la retraite de l'empereur. Il va pouvoir aller tranquillement à Saint-Hélène. Voilà. Enfin bon. Je dis souvent, il faut faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Parce que c'est justement là le côté obscur de la force. Si vous prenez la grosse tête parce que vous êtes général, empereur, c'est du dérapage, ça. Il faut jamais perdre de vue que ça reste un jeu. Et si on se prend au sérieux, alors c'est plus drôle. C'est comme quand vous êtes enfant, vous prenez deux voitures, et puis vous jouez comme ça, et c'est magique. Vous êtes dans votre jeu. Mais quand on grandit, vous perdez ce pouvoir-là. Vous prenez deux bagnoles, c'est nul, quoi. Enfin, eh bien, quand on fait des jeux à grande échelle comme ça, on retrouve cette magie de l'enfant qui joue et qui croit à son jeu ou qui est dans son jeu. Napoleon spent some time in jail as well, and he didn't know what his future would be. So I looked at those passages from his life for some inspiration, knowing that he encountered so many obstacles, yet he was able to continue to strive forward and overcome them. Thank you very much. The English never had any intention of keeping their word about the end. It was only temporary. No, they'd never evacuated Malta. Hello, monsieur. But you are right, monsieur. The battle started too late in the day, 11:30, and the Prussians enough time to march to Plain Saint-Noir. And that is really the cause of the loss at Waterloo. Had I had Murat at the head of my cavalry, I would have won the battle. You say that in your memoirs, I say that. Exactly. Le Casse will write it down for me. Hello, madame. But this house has so much character to it, and in fact, the reasoning behind the Napoleon House was that the governor for Louisiana had set this house aside for Napoleon were he to have escaped from his second island of exile. And unfortunately, Napoleon died on St. Helena on May the 5th of 1821, so he never came to the Napoleon House. But for me, every time I return to this wonderful place, I'm reminded of that story and of my experiences as Napoleon, which has been so very wonderful. I might not have been at Waterloo, but I suppose I have my refuge here at the Napoleon House. Mesdames et messieurs, my name is Napoleon Bonaparte. I am the Emperor of the French after the great Battle of Waterloo. It was thought by many of the European nations that I was not well fit to be the Emperor of the French any longer. But yet the people of New Orleans thought otherwise. So this house has been placed at my disposal for my refuge, while I place my future plans in order. So as you so eloquently say here in Louisiana,
Laissez les bons temps rouler. Vive la France! Et vive les États-Unis d'Amérique, monsieur. Bravo. Bonne soirée, mes amis. Just fine. The Emperor of the French? Indeed. You're an emperor in your own right, are you not, sir? Beautifully engaged. Jefferson. Jefferson. Well. This is one reason why I know the two of us are aligned upon that subject of education, and particularly with the respect to history, that people never forget their history. I was going to say that we are aligned in our interest in history and in support of Cicero, who wrote, "A people must never forget their history. If they forget their history, they will be like school children all their lives, ready to be led, rather than to lead themselves." Well spoken. Well spoken.